Bon, le retour de mon album pour l'instant est plutôt sympa. Merci. Il est toujours disponible hein, si vous tapez Saibi dans n'importe quelle plateforme pour me trouver et l'écouter. Si jamais tu si t'as pas écouté encore l'album. Bon, donc aujourd'hui on va apprendre à faire du Mr. V. Hein. À la fin de la vidéo il y aura le clip, le morceau, la prod que j'aurais faite avec les paroles, tout ça. Et si t'aimes, bah, tu mettras un pouce en l'air. Hein. Allez, d'ailleurs vous pouvez mettre maintenant en commentaire le prochain artiste que vous voulez que je fasse pour une prochaine vidéo. Bon, on va commencer tout de suite, sortez vos cahiers, page 32, l'exercice 34, petit a, le 2 et le 1, enfin le a. J'ai toujours rêvé de dire ça, je me rappelle ma prof de maths, elle disait ça et puis je le faisais pas parce que j'ai discuté beaucoup en cours. Faut pas faire ça hein. Bon, j'ai analysé quelques musiques hein, du boss du game et souvent bon bah il utilise des synthés et moi du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un arpégiateur. Un arpégiateur qu'est-ce que c'est tu vas me demander? Vas-y j'attends que tu me le demandes. Donc un arpégiateur c'est simple, c'est en fait c'est quoi en fait un arpégiateur, je sais pas. Un arpégiateur en fait c'est simple, c'est ça se base sur un accord et en fait ça fait une mélodie qui se base du coup sur l'accord que tu fais. Donc moi j'ai fait ça, vous voyez plutôt. Voilà, là ça fait un petit peu trop électro hein, pour du Mr. V. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des petits effets. D'ailleurs, on entend souvent dans les prods de Mr. V. Moi, ce que j'ai fait là sur cette petite mélodie que vous venez d'entendre, c'est que du coup, j'ai rajouté un effet qui baisse le tempo et la hauteur des notes et un petit effet de scratch de DJ. Ça donne ça du coup. Voilà, là ça commence déjà à ressembler un petit peu au style de Monsieur V. Bon, on passe à la partie percussion, allez hop 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 hop, allez allez. Donc là je veux pas les jouer devant vous car j'ai fait tout quasiment à la souris. Donc en premier ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un kick et deux snares différentes, ce qui donne ceci. Bon, pour varier la mélodie on va rajouter des petits plugs avec de l'écho, ce qui donnera un truc comme ça je pense. Du morceau, on va rajouter des 808 qui sont vraiment bien si tu portes des écouteurs. T'as les écouteurs? Bon, bah, tu les branches. Donc, pour rythmer encore plus la prod, j'ai rajouté hein, des hats du coco. Hein, j'ai fait un petit rythmique sympa, du coup, ça donne ça. Écoute bien, poteau, t'es prêt? Hop! Pour les moments plus calmes, j'ai rajouté un autre petit synthé. Écoute. Pour finir, j'ai rajouté un dernier snare qui résonne un peu plus que les autres. Du coup, ça donne ça. Voilà, donc pour le refrain, j'ai juste à tout mettre ensemble, ce qui donnera ceci. Bon, après, je vous épargne toute la partie où je structure tous ces éléments qu'on vient de mettre ensemble. En gros, la structure, c'est ça. C'est par exemple, au début, je commence avec le piano, la synthé, puis après, je rajoute les kicks, les snares, tout ça. Enfin, je vous épargne tout ça, quoi. Pour la voix, on a juste à mettre de l'autotune, hein, parce qu'il aime bien ça, le coquino. Et pour les paroles, on va prendre un sujet qui me tue. Je sais pas si vous avez vu il y a pas longtemps, bon, de toute façon, tu l'as vu dans le titre, c'est la zone 51, mais en gros, il y a des gens qui ont créé un groupe Facebook et, pour aller prendre d'assaut la zone 51 et pour démystifier un petit peu s'il y a des martiens, des aliens, tout ça, enfin, et tout. Du coup sur les réseaux sociaux ils sont en mode genre ah ouais bon je vais ramener un alien genre ils vont arriver comme ça c'est dans la zone 51. Ah je veux prendre lui moi, celui qui a les trois yeux sous la bouche là, je veux prendre celui-là. Alors qu'on sait très bien, toi et moi,
que s'il y a des aliens, c'est pas toi qui ramène, c'est lui qui va te ramener. C'est tout pour moi. Mais bon, du coup, pour le son, on va faire genre c'est possible et tout. Vous avez tout le thème, on a la prod, on a les paroles que moi j'ai faites en préambule, et du coup, ça donne ceci. Bonne. D'ailleurs, mets un like quand même si ça t'a plu et abonne-toi si tu découvres la chaîne. La bise. Tout ce que je veux découvrir, c'est voir si nous sommes seuls. Vers Nevada, on arrive, alors la mer fait la gueule. Je navire en tant qu'il chavire, et mes zones y foutent le sbeul. Dans la zone 51, dans la zone 51. Avec mon alien, je flex, pour moi personne peut nous test. Dans la zone 51, dans la zone 51. Mon E.T. ne m'attend pas, j'ai qu'à brevet là où je m'emballe. La planète a quatre pattes, et je mets une plaque à ses fesses. Je réveille la zone pendant que je me tapais mes tresses. Quand je m'entrais dans le vaisseau, les jaloux prendront le métro. Je vous passe mon passe navigo, je m'envole sur Mars amigo. Ciao, bye, bye, ciao, bye, bye. Extraterrestre comme Paul, quand elle voit ma mimole. Je l'invite sur une autre planète, après avoir vu ma couette. On démarre le bolide, on s'envole. Mes aliens qui s'échappent, c'est pas de bol. Dans la zone 51, dans la zone 51. Avec mon alien je flex, pour moi personne peut nous test. Dans la zone 51, dans la zone 51. 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 Avec mon alien je flex, pour moi personne peut nous test. Dans la zone 51, dans la zone 51. Je déploie les ailes, je vois du Red Bull. Tous les gars de la sécu ont les boules. Deux canons dans le temps que je tirais. Une sur mes genoux, une sur l'armée. On a grandi l'humanité. Les bonhommes verts nous font marrer. Est-ce bien réel ou bien suis-je fou? Suis-je dans un rêve ou bien je vis tout? Je garde la tête haute et moi j'y crois. Je vais dans la zone, venez avec moi. Dans la zone 51, dans la zone 51. Dans la zone 51, dans la zone 51. Avec mon alien je flex, pour moi personne peut nous test. Dans la zone 51, dans la zone 51.